Bonjour à tous, on espère que vous allez tous bien. Ça fait une éternité qu'on ne vous a pas tourné de vidéo. Je suis en présence de... Yannis. Attends. Yannis. Tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour Yannis. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Et nous sommes en présence de... Yo. On te voit. Oui, on te voit. Donc voilà, donc aujourd'hui Yannis est avec nous parce qu'il est malade. Il a chopé un truc, je sais pas quoi, il tousse, bref. Rien de véritablement important en soi, vu qu'on le soigne cet enfant. Voilà. En plus, il me crache dessus. Super. Donc voilà, donc nous avons été faire un petit tour au centre commercial, ce qui ne nous était pas arrivé depuis un certain temps. Mais là, les enfants avaient vraiment besoin de vêtements. De vêtements parce qu'ils ont bien grandi pendant cet hiver et que pratiquement plus rien leur allait. Donc on s'est acheté des bricoles. On va vous montrer notre travail. Ouais. Donc on va vous montrer les magasins où nous avons été. Oui. À tout de suite. Donc c'est parti. Regardez, j'ai mon pot de colle avec moi. C'est mon petit pot de colle. Ah, il a disparu. Donc en premier lieu, on a été à... Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Elle va me filer le sac. Loviseur. Ah, Loviseur. J'avais compris Loviseur. Je disais, ça veut rien dire du tout ce bazar. Attendez, on va vous montrer. Il faut que j'arrête. À Love machin. Loviseur, qui est un magasin de bijoux. Où elle s'est acheté les bijoux pour son nez parce que regardez, viens voir ta tête, approche. Elle s'est fait percer le nez. Donc il faut acheter évidemment ce genre de petites choses. Ah, elle les a mis à l'envers. Bon, vous voyez le prix, mais tant pis. Elle s'est acheté des boucles d'oreilles avec des petits éclairs. Des petits éclairs. Non. D'autres boucles de nez. Boucles de nez. Bah t'appelles ça comment toi? Ah j'ai mis. Donc après on a été chez Kiko qui est un magasin de maquillage. Merci Inès de suivre. Donc elle s'est pris un crayon vert et franchement ils sont pas excessifs parce que je crois qu'on l'a payé 3€. 3,99 je crois on a dû le payer. Non, 2,99. Donc 3€. C'est-à-dire qu'il est moins cher que ce que vous trouvez dans la plupart des magasins. Et après, il y a eu une promotion. En fait, si vous achetiez deux produits pour lèvres, alors que ce soit rouge à lèvres, gloss, crayon à... Non, Yannis, c'est pas fait tes doigts dessus. Crayon à lèvres, etc., etc. Donc, si vous en achetez deux, le troisième était gratuit. Ils sont juste en train de me fatiguer. Je vous ai dit que j'avais pas beaucoup de réserves. Vas-y. Deuxième magasin où nous avons été à Kiko, qui est un magasin de... Maquillage. Au secours, help me. Donc, nous avons acheté un crayon pour les yeux verts. Et franchement, c'est pas cher parce qu'on l'a payé 2,99€. Ce qui est franchement pas cher du tout. C'est moins cher que la plupart de ce qu'on achète en temps normal. Après, on a pris... Il y avait une promotion sur tout ce qui est pour les lèvres. Ça soit crayon à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, tout ce que vous mettez sur vos lèvres. Donc, vous en achetiez deux. Le troisième était offert. Donc, nous, on a pris des gloss pour cet été. Parce qu'en fait, on porte pas les mêmes rouges à lèvres et les mêmes gloss l'été que... L'hiver. Donc, alors, nous avons pris des choses très pailletées. Des balles. Et je t'emballe. Alors. Oh, et emballé. C'est pesé. Bravo. Et c'est très bien. Alors, le premier qu'on a voulu acheter, c'est celui-là. Non, mais on le voit pas. Ben oui, je sais qu'on le voit pas. Je m'en doute. Non, mais c'est Yannis, il fait des grimaces. On a acheté celui-là, le numéro 17, qui est une couleur... je sais pas quoi. Non, mais c'est un vieux rose. C'est un espèce de vieux rose, vous voyez, avec des paillettes dorées dedans, qui est très joli. Moi, j'aime beaucoup.
Ensuite, après, nous avons pris un... Celui-là, qui est très, très léger. Celui-là qui est plus, plus nude. Qui est plus dans le... Mais ouais. Je vois pas la différence entre nos couleurs. Hein. Ah, qui est plus dans le nude. Et celui-là, en fait, il est irisé. Ça veut dire que lui et lui, c'est pareil. Oui, mais... Alors, autant prendre un rose comme ça. Non, mais il est plus, celui-là est plus irisé, il y a moins de paillettes. Voilà. C'est pas les mêmes. Celui-là, c'est moi qui l'ai choisi. Il y a moins de paillettes. Ouais, non, celui-là, non, il est moins paillettes, il est irisé. Non, et le troisième, qui est celui-là très très pailleté par contre. C'est moi qui l'ai choisi. Et qui est un rose très très clair. Il est très très clair, je pense, celui-là comme rose. Et non, Ryan, ce n'est pas les mêmes roses. Ensuite, nous avons été à Célio, qui est donc un magasin pour hommes, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais comme j'en ai rien à faire. Mais comme elle s'en fiche. Ouais, et que, en fait, chez Célio, vous avez des t-shirts. Si vous aimez les Marvel, si vous aimez les. Il y a des t-shirts de toutes sortes sur les animés, comme. DBZ, sur tout ça. Si vous aimez ce genre de trucs. Il y a aussi sur la nouvelle. Si vous aimez ce genre de t-shirt, c'est là qu'il faut aller. Quoi ? T'as pris un... Non. Alors oui, elle s'est acheté des lunettes de soleil rose. Regardez la classe. Regardez les roses. Elles sont pas belles ? T'as mis tes doigts dessus, Raïfa. C'est Yannis. Bon, je peux voir ton t-shirt, s'il te plaît ? Ah ouais, excuse-moi. Je vais présenter mes... Donc, il est vraiment... Alors, il est vraiment tout simple, celui-là. Regardez comme il est magnifique. Oh, c'est Spider-Man ! Ah, t'as marre de toi, belle. Regarde. Il est trop mignon. Mais en plus, il y a Spider-Man. J'en ai marre. T'as vu, il est trop mignon. Est-ce qu'on peut faire une réaction à ma blague ? Ça sera pour le coup. Voilà. Donc, après, nous sommes passés à Primark. Il est derrière. Non, mon Dieu. Donc, elle a ses prix. Ça, c'est mon meilleur achat. Là, il y a une sacoche. Non, mais. Touche pas. C'est une sacoche. C'est pas une sacoche, c'est un sac à main. Ouais, je suis mourante. Alors, elle s'est pris une gourde avec des fraises. Alors, ma fille qui est plutôt habituée à s'habiller en noir ou en sombre ou en vert très foncé, cette année a décidé de mettre des couleurs dans sa vie. Je voulais acheter une chemise avec des fleurs, mais elle n'a pas voulu. La chemise, elle était à 25 euros, s'il te plaît. Il y avait des grosses fleurs jaunes. Donc, elle s'est pris une gourde avec des fraises, s'il te plaît. Ensuite, elle s'est pris un sac à main. Et elle me l'a dit, il est trop bien parce qu'il y a plein de poches. Ouais, il y a beaucoup de poches. Il y en a une là. On a une là, et après il y a aussi... Un petit porte-monnaie. C'est comme là, il y a plein de poches. Donc elle est super contente parce qu'elle a un sac à main. Tu t'es fait un mélange aussi, non ? Ouais, elle veut sortir le grand jeu. C'est pas à moi. C'est vrai. Ça y est, je me suis dit. Ensuite... Tu veux le mettre ? Non, je veux pas laisser l'idée. Ensuite, moi j'ai eu un sac immense. Je suis sûre qu'il était bien là, ça. C'est quoi ? C'est un sac qui est bien quand tu vas en cours, ça. Regardez. Mais c'est ça. Non, Donc, non, Ryan. Fais-moi confiance. Donc j'ai eu un sac à main, vous voyez, hyper utile. Parce que moi et les petits sacs, ça fait deux. Donc ensuite, on a pris, qu'est-ce qu'on a pris ? Elle s'est pris un beau maillot de bain vert. Yannis, ça suffit. Il est un peu trop vert. Vert. Alors il y a le bas normalement qui va avec. Hein. Regardez. À part c'est ça, un joli vert. Ensuite, arrête de filmer. Alors toi, Yannis, Marien, ah ouais, on va essayer de mettre ça. Tais-toi. Regardez, des fossiles parce qu'en fait ils étaient à 1,50€. Et franchement, on veut juste essayer. Et voilà. On a pris des faux ongles avec des petites cerises dessus. Par contre, ils ont l'air hyper longs. Ça, c'est une brume matifiante pour fixer le maquillage, en fait. Voilà. Regardez, elle s'est pris un pyjama. Yannis, arrête. Un pyjama avec des fraises, s'il te plaît. Ouais. Je sais pas si je dois être déjà. Déjà. Regardez. Ah, moi, est-ce qu'il me faut des nouvelles claquettes d'ailleurs en disant ça ? Regardez. C'est ça.
Regardez comme il est beau, franchement. C'est un kimono. Je rigole, il est très beau. Mais on dirait une visette. On dirait, tu sais, c'est le truc qui a porté Rihanna là Regardez comme c'est beau. Au festival de ma Moi, je la trouve magnifique. Ah, tu sais, on dirait ce que Rihanna a porté là. Elle a annoncé sa grossesse. Ouais. Ouais, Rihanna de Wish. Hein. En plus, tout un tas de t-shirts. Parce que ça, il fallait vraiment que je fasse le plein de t-shirts. Même ça, j'ai pas vu qu'elle avait acheté. C'était big gun. Ensuite, un autre t-shirt taupe. Oui, c'est couleur taupe. Voilà. Non, il n'y a pas de taupe qui va sortir. Mais Ryan, tu vas me les casser. Non, ils sont plus larges tes pieds, c'est tout. Ensuite, elle s'est trouvée une chemise, mais que je trouve trop belle en fait. Et c'est de la couleur. Hein. Pousse-toi, Yanis. Vert pommier. Vert pomme. Ensuite. Des claquettes que monsieur a essayé de casser. Voilà, arrête. Arrête. Voilà. Ensuite, des petites des claquettes, comme dirait ma fille, avec des bling bling là. Mais je trouve ça très joli. Je te l'ai dit. Il est trop beau. Un t-shirt vert clair. Ouais, un vert. J'aime bien ce vert. Vert pomme. J'ai pas de vert en plus. Donc, ouais, c'est une pomme un peu pastel. Et en fait, je me suis offert une robe parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas offert de robe. Le premier qui me dit que ça fait petite maison dans la prairie, je le bute. Le problème, c'est que regarde, elle a l'air de se froisser de ouf. Non, archi pas, mamie, elle a pas autant de style. Pour le coup, je suis pas d'accord. Tu dis ça de ta propre mamie? Bah ouais. Comment as-tu osé? Mais. Non, mais Ryan, toi, comment as-tu osé? Moi, je la trouve très jolie. Mais en plus, c'est. Mais je continue. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Un ananas. Bombe de bain ananas. Qui sent vraiment l'ananas pour le coup. Alors, je sais pas si ça, on l'avait vu. On a. Le meilleur truc. Que je fais. Ensuite, vas-y. C'est mon meilleur achat. Et son meilleur achat était des lunettes genre Michel Polnareff. T'as vu, même Ryan, il a dit qu'elles sont mieux que les autres. On dirait aussi des lunettes de rock un peu. C'est les lunettes Michel Polnareff, tu sais, comme dans les années 60. Elle critique pas. Non, mais elles sont belles. Moi, vraiment, ça en noir, je peux le porter. Hein. Ah, mon Dieu. Non, mais il n'y avait pas en noir. Il y avait en rose, en orange, en bleu, en violet. En orange ou en bleu, je pourrais porter ça au calme. Ah ouais, elles sont classe. Ouais, elles sont très... Regarde, regarde, mais elle est... Je sors ça avec dans la rue, normalement. Moi, j'aime bien. Regarde, montre à Ryan. Et en plus, il y a un truc de neige ici. Trop belle. Elles sont trop fraîches. Bon, c'est bon pour Primark. Ouais, les deux mecs qui vont ça, la passage, eux... Ensuite, on est passé vite fait à la FNAC, où voilà, elle a dépensé... Elle a claqué son argent de poche. Moi, j'avais tout ce qu'il fallait, il me reste plus rien, même pas, il me reste 10 centimes. Elle s'est acheté des posters. Des vrais ? Hein ? Ah bah ouais, je suis bête, parce que vous aussi, vous les avez pas mis tout. Alors, elle va nous les ouvrir. Je vais mettre de mon main préféré à mon plus préféré. De mon main préféré à mon préféré. Alors, le blanc rouge, j'ai gagné un truc. Ouais. C'est la Spider-Man. Moi, c'est mon préféré. Mais tu l'as même pas vu? Non, mais pour l'instant, de vue comme ça, okay. Genre emballé, c'est mon préféré. Alors. Attention. Ah là là! Voilà, j'en étais sûre, il y avait comme il est enroulé, du coup, vite. C'est la bonne version. Attends, je vais. Merci. Vas-y, déballe-le. Voilà! Voilà, un truc Marvel. Il est incroyable. Oui, Inès, alors, pareil, après, aussi, attends, il va se... Inès, emballé, c'est mon préféré. Ok, préféré. Le deuxième. Ouais. C'est mon préféré. Qui est sur le top 2 de mes préférés. C'est celui-là. Alors. Non, il n'y a pas de sugar, je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas ce qu'on cherchait. Alors, oula. Attention, tire délicatement, pas que je les tire parce que je les ai fait une gamme. Oh, ah, t'as vu? Wesh, incroyable. Vas-y. Un Deadpool. T'as vu comment il est fait? Ouais, je suis partie dans tellement pas ça. Hé, hey, t'as vu? Wesh, il est incroyable. Est-ce que tu t'en voudras un... Est-ce que tu voudras des posters, toi, ouais, Syrienne, pour mettre dans ta chambre? Incroyable. Hein? Les gens, mais ce sont
toi aussi. Alors. Tu voudras des posters toi aussi. Celui-là. Ryan, tu voudras un poster toi aussi. Je sais pas, on verra. C'est mon préféré. Il y a tout sujet là. C'est toi, c'est un. Il y a tout sujet. Mais c'est toi, c'est un. Non, pour Ryan, il fait. Il est plus grand. Il est plus beau que moi, tu vois. Mais toi aussi, tu vois. Alors celui-là, c'est mon préféré. Parce qu'il a un tel charisme dedans. Rien qu'on parle de charisme, ça donne un indice. Attention, sois délicat parce que celui-là, il est magnifique. Attention. Mais il a l'air plus solide. Ah. Voilà. Fais voir. C'est Thomas Chevitt de Peaky Blinders. Ouais, ah, vous celui-là, il est incroyable. Non, mais il est pas derrière, c'est pas la peine de regarder derrière. Moi, je préfère. Non, juste pour. Le Deadpool. Celui-là, je trouve incroyable. Mais ouais, c'est vrai que Deadpool. Vas-y. Vas-y. J'ai défendu. Ensuite. Ok. On va faire un vote à choix multiple. C'est quoi ton préféré, Alan? Deadpool. Yannick, c'est quoi ton préféré? Donc. On n'a pas besoin de ton avis. Le Peaky Blinders. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, ça m'attend pas. Alors, j'ai acheté des DVD, après je me suis ruinée. Elle a acheté. Alors, j'ai acheté. Ta-da! Oh, on le regarde après une heure. Je vois ce soir. On le regarde ce soir tous ensemble? Vas-y. Et après. Et après, j'ai acheté. Je suis vraiment ruinée parce qu'il coûtait cher. Ta-da! The Greats. C'est une hyper bonne série. Voilà, c'est une hyper bonne série selon moi. Avec l'empereur Pierre III. Il est tellement drôle. Un peu. Tellement drôle. Voilà. Donc voilà. Et voilà, mon débrief. Parce qu'elle achète son argent de poche. Ah, je me suis ruinée. J'ai voilà. Plus d'argent. Alors, Inès, la dernière fois qu'on a été, qu'elle a eu son argent de poche, c'est... Alors, en fait, il y avait des promotions à la FNAC sur les DVD. Quand vous en achetez deux, le troisième était gratuit. Bah oui, mais moi aussi... Ok, c'est bon. Et donc, elle va nous présenter ce qu'elle a acheté comme DVD. Ça, c'est ce que j'ai acheté en question. Vas-y, dis-nous. Alors, ça, c'est mon préféré. Attends, il n'y a pas piqué. Allez, donc, premier DVD. Ça, c'est mon préféré. Downton Abbey. Je kiffe cette série. Et j'avais déjà vu le film. Mais y a et la en adorée. Plus, il y a le 2 qui sort bientôt. Ensuite, Sherlock, parce là, que franchement... Parce qu'il y a Moriarty dedans. Puis c'est Sherlock, quoi. Et on se refait pas. Hein. Ensuite... Ça, c'est trop bien. Ah, ça, faut qu'on regarde la fin. Ouais, avec Légende. Ouais. Excellent film. Ça... Un petit cœur personnel. Ça, c'est parce que je lui ai montré un jour et elle a craqué dessus. En plus, il y a Johnny Depp dedans. Je voulais te présenter à Ryan, je suis... Et elle adore Johnny Depp. Alors, je m'en dis à Ryan. J'ai pris ça. Je sais pas si tu connais. J'ai pris la saison 2 de Sherlock. Okay. Ça, c'est un film sur la mafia. Et ça, c'est Crybaby. C'est un truc où il chante et c'est super. En plus, j'ai déjà vu. Crybaby? Bah oui. Oui, tu l'as déjà vu. Ensuite, Black Widow. Black Widow. Oh là là. Ensuite, les Animaux Fantastiques, le 1, c'est ça qu'il voudrait voir, Ryan. Les Animaux Fantastiques, le 2, et... tu sais, tu m'en as parlé. T'as vu, quand je t'ai dit que j'avais les deux. Donc tu veux les voir, c'est cela que tu veux voir. Ouais. Attention, là il y a encore le prix, et là je l'ai même pas ouvert. Black Panther. Excellent. Ça, fais voir. Merci. Quand même ça. Ça, parce que non, mais c'est... Allô, quoi. C'est un de mes films préférés. Le Cercle des Poètes Disparus. Excellent. Tu pleures à la fin. Ouais. Oh, capitaine, mon capitaine. Ça, c'est aussi un coup de cœur. Ah, Bohemian Rhapsody. Sur Queen. Sur Freddie Mercury, plus précisément. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie. Avec. Pam 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 pam. Eh. Ensuite, on a Ant-Man. Je vais avoir tous les films Marvel. J'en ai sur le film. Avengers. Ensuite, elle a les Avengers, ouais, l'ère d'Ultron. Je l'avais sur la télé, mais pas en DVD. Attention, le dernier film. Thor Ragnarok. Je suis là parce qu'il est drôle. Parce qu'il est marrant. Et parce que c'est le seul film Marvel où il n'y a pas de mort. Donc c'est et moi, le seul que je me suis acheté, il est là-haut. Je l'ai rangé. Le West Side Story. Ah oui, c'est vrai. Bah c'est le rouge, le seul rouge. Et ensuite, parce que ça c'est un coup de cœur et que je veux absolument qu'elle le voie comme elle est très comédie musicale, regardez. West Side Story. Maman, alors me dites pas que vous le connaissez pas parce qu'à l'intérieur il chante quoi? I like to be in America. Ça vous dit quelque chose? Non? Si, Captain America. Non, ça n'a rien à voir avec Captain America. Maman, la main est tombée. Ah, là, y a ah ouais. Merde.
qu'est-ce qui a foutu mon truc? Ah, il y a un truc qui a coulé. Non, il y a un truc qui a foulé. C'est pas grave. Alors. Ouais, parce que tous les autres, elle les a. Ouais, je n'aime pas les gens. Ah, parce que moi, je les ai déjà vus. Mais elle finira par les acheter en DVD. Ouais, hein. Je finirai par les acheter, mais c'était les... Ensuite, elle a ses feutres pour faire ses dessins. C'est mes premiers marqueurs. C'est des feutres à alcool, en fait. Ouais. J'ai pris Emerald, vert luxuriant. Sauf, il me semble que c'est, ouais, c'est du bleu poudre. Un rose. Ça, c'est de œillet rose. Et ça, c'est du noir. Voilà, moi, c'est pour faire ses dessins. J'ai pas fini. Oh, ensuite. Ma brosse à dents. Sa brosse à dents parce qu'elle a des couleurs très jolies. Magnifique. Seuls les gens qui comprendront sauront. Alors, ah oui, j'ai oublié mon plan papier. C'est un plan papier que le mec a tenté de nous vendre. Du coup, on n'avait pas la force de le. C'est créer un papier gras pour faire ses dessins. Alors, ah là, il y a des fonds. Là, il y a de la matière, Ryan, il y a de la matière. Alors, ça... C'est encore des bijoux pour son nez. Ouais, mais il en reste qu'un. Ouais. J'ai perdu les autres. Bah, bravo. Alors. Regardez. Là, j'étais un peu déçue. Il n'y avait pas de photocard dedans. Il n'y avait pas de photocard, ni de poster, ni rien. Ça, je les ai déjà présentés, les albums. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, donc... J'ai pas présenté celui de Strike Kids, il me semble, par exemple. Celui-là, oh là là. C'est de l'arnaque. Celui-là, ça, c'est du vrai. Non, celui-là, c'est pas de l'arnaque. C'est celle de l'autre, c'est... Ah, le noir et blanc. Ce qui m'a un peu déçu, mais celui-là, je suis pas déçue de l'avoir acheté. C'est quoi? Album de K-pop. Et je suis pas déçue parce que, putain, il y en a des choses dedans. Nièce, ton langage. Pas. Purée de pommes de terre. Et il y a aussi un poster. Je montre le poster. Si tu veux, montre, ouais, le poster. Alors, là, comme d'hab, c'est le truc avec les photos. Ça, je vais les mettre de côté. Moi, j'ai pas il y a les double photocards, les photocards simples. Je suis toujours là. Ok. Attends. Désolé. Il y a les stickers. Et ça, c'est le poster. Il est trop long. Bon. Tu vois, je suis même tentée de pas l'accrocher et de le laisser dans la boîte. Hein. Voilà. Et c'est qui comme groupe? Stray Kids. T'as vu, ils ont de super beaux cheveux. Magnifique. T'as pas vu, tu m'as pas... Tu m'as pas... Ah. Bref. Donc voilà, c'est fini. Attends, non, c'est pas fini. Bah non, il manque de Lego aussi. Eh, ça va? Je te dérange pas? Tu lorgnes un peu dans mon sac de course, Yanis. Arrête, okay. Yannis, je viens de te dire d'arrêter. Ça, je suis vraiment contente de les avoir achetés. Ah, oui, j'ai oublié. Je me disais bien qu'il m'a manqué un... J'en avais acheté un rouge. Ça, c'est pas rouge, c'est du pavot. C'est du pavot. Comme ce qu'on met sur les gâteaux. Ah, ça, je vais partager avec vous. C'est des Oreos brownies. Je vais partager avec vous après le déballage des cadeaux. Elle va te donner aussi. Ça, ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Je les avais balancés dans mon sac. Ok. Ah, là il y a des trucs. Merde. Ah oui, c'est toi. Je te les avais donné à toi. Ta-da. Les boucles d'oreilles. Et celui-là va toutes les garder. Oui. Non, je t'en ai donné une paire. Enfin... Je vais essayer de les remettre quand même. Hein, parce que là, il ne faut pas que mes trucs se remboursent. Là, c'est un paire de boucles d'oreilles. C'est pas son bleu. Ok. Ce sac-là est tout le temps. Il n'en reste plus qu'un sac et nous aurons fini. Tiens, regarde. Je te... Non, on va les descendre. On va tout descendre à la poubelle. Alors, on va commencer parce qu'il y a une Salman. C'est Harry Roman. J'en étais sûre. Ness, Ness. Tu vois un saké. Non, celle-là, elle était drôle. Oui, oui. C'est comme un tableau. Peut-être que tu racontes ça, tu peux l'approcher après. C'est un Lego. C'est un tableau, genre. Ouais, je crois que c'était une tête. Non. C'est un tableau de tête. Plus, la tête. Okay. Voilà, ça, c'est dans le sac Lego. Il y a plein de Lego. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, j'ai machin. Arrête, c'est encore des perfumes. Encore. Bon, on a acheté. Hein. Ah oui, ça, c'est les ados. Ouais. Ah, il y a ses bons. Non. Oh, il y a McMay là-dedans. Attends, ça, il y a McMay. Ah, mais. Ouais. Ah, ouais, non, il y a des choses. Un parfum. BK.
parfum de Beckham qui sent excessivement bon. Ouais, c'est vrai. Un peu petit, mais. Alors, ces parfums-là, on les a achetés à normal. Parfum Playboy. Alors, ils sont genre entre 3 et 5 euros le parfum. Un rond pour psy, je pense pas que c'est très intéressant. Mais bon. Entre 3 et 5 euros le parfum, c'est franchement pas cher pour ce que c'est, parce que c'est des excellents parfums. Une pince. C'est ma pince BTS. BTS. T'as pas mon parfum Ryan. Non, je l'avais déjà mis. Tu vois ? Je l'avais déjà mis. Mais avec fais attention, ouais, parce que j'ai... Et voilà. Voilà. Donc on dit quoi? Ouais. On dit... Au revoir. Au revoir. Alors donc j'étais avec... avec mon ami de toujours. Yo. Tu ne l'as pas fait? Notre ami. Et notre ami... Nos amis Jojo le sac de course. Bon Inès. Donc voilà, je vous souhaite donc une bonne journée ensoleillée parce que là le soleil est revenu. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. On essaiera d'en tourner plus souvent parce que c'est vrai que là on s'est un peu laissé dépasser par, par la flemmardise. Ouais, j'ai toujours un chrome qui est caché derrière ma tête. Donc on vous fait plein de gros bisous. Au revoir. Et au revoir.